million dollar billion dollar company um you know has you know our cell phone like service problems you know sometimes you just can't get around it but hey we're you're here right you're right it's like so, me trying to do a, a zoom and i'm like oh it asked me for a code at two o'clock in the morning i'm like i don't think i can do a zoom now <laughs> well, Deport, I, Deport, eh? I guess first off wow i saw the videos in, in the the nice event incredible you guys Congratulations yeah. to all the people that attended that event. It looked amazing. Et la première chose d'David veut dire la technologie des fois il y a des bugs mais euh il était super content de voir les vidéos, les photos euh de l'événement uh, qu'on vient d'avoir ici. Alors mettez des boules de feu des cœurs si vous aussi vous êtes content de l'événement qu'on vient d'avoir. I got we got so many videos and pictures. I got I got uh. another video. I got a special video for you. Euh Coming out real soon, but yeah, it was it was amazing. I lost. Yeah. I have no more voice. I, I'm dead. I'm I'm, I'm gonna be so, dead for <laughs> So you see this picture right here on the screen? You got the full picture of the Better Life Company. Yes, we see. But I see two slides. Okay. Oh, you see I two see slides. slides. Yes. Stop, share. Let me do this again. It should be. uh I thought I did it right. Desktop two.

and we will be staying here on our getaway platform um, in a two bedroom suite with an ocean view for about 459 dollars alors david s'apprête à partir pour Cabo dans la photo que vous voyez là it's Cabo right it's it's Cabo yes Yeah. alors dans quelques jours david s'en va là et uh, pour lui et sa femme deux chambres une semaine il va vous payer environ 400 dollars et ça c'est notre plateforme numéro 2 la plateforme getaway Ça a une valeur de plus de 2000 à 3000 la semaine. Mais comme vous connaissez David, il adore utiliser sa propre plateforme. And, and everybody else will be spending about uh $3,000 à $4,000 pour une two-bedroom suite to do at this place, actually. Alors, toutes les autres personnes, vu que c'est un euh, une suite de deux chambres, c'est en 3 000, excusez-moi, c'est en 3 000 et 4 000 et non 2 000 et 3 000. C'est en 3 000 et 4 000 que lui a eu pour 400 dollars seulement. Donc, ça couvre un abonnement platinum pour plus de deux ans juste avec cette économie. And you know what's crazy is that, you know, in our getaways, it's actually seven nights. You're there for eight days. So, it's, you know. Alors, qu'est-ce qui, qu qui est exceptionnel, c'est nos getaways, c'est sept jours, c'est une semaine. Alors, euh, regardez, surtout, comme vous pouvez voir, David retourne toujours au Mexique, toujours à Cabo. Alors, mettez ça sur votre liste de destinations à chercher. allez-vous aussi réserver cette destination là pour aller chercher le processus de je reste à la même hôtel que notre PDG va à chaque année yeah so um we're we're excited we're excited to be there and 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 we and the reason i share that with you is that um because it's important for you to become a product of the product. Whether you're using the trip incentive, your well, trip incentive is a gift, it's not the product. But the travel site, the getaway or a world tour, you want to definitely use that product. Alors, la raison que je vous partage ceci, les amis, c'est parce que je veux vous réaliser et je veux que vous utilisez vous produits, le produit du produit. Alors, le travel site, les getaways, les world tours, utilisez les services. Ça va vous aider sur votre croyance. dans la société si vos partenaires font comme vous dans la duplication et que eux aussi utilisent les services allez avoir plus de rétention So you guys know that our, our main headquarters is in it, headquartered is in Temecula California uh, the company just purchased a, a new office building uh, and it is four times the size of our current office building Wow alors yeah. vous savez qu'on a un bureau en Temicula, Californie. Mais là, on vient d'acheter un nouveau building okay, um, qui est quatre fois la grandeur du bureau qu'on avait. Alors, on vient de... Uh, on va agrandir le bureau officiel. When, when will this one be uh, open and ready to go? Um, August 1st uh, is our expected uh, move-in date. Um, in September, we're going to do our first... We call, we're going to call them red... carpet events um, where you can come in. We'll have one day a month where we come in and people can tour our corporate offices and we'll provide a lunch and presentation. Alors, le nouveau bureau, ils vont prendre possession le 1er août, euh, vous, vous dites à août, euh, et le one septembre, c'est là que ça va être officiel que les gens pourront venir voir. Et David aimerait mettre en place qu'une fois par mois, une date spécifique, il y aura une présentation et la visite du bureau avec un repas d'inclus. Alors, une fois par mois, visite du bureau officiel, repas inclus avec une présentation. Donc, vous n'êtes pas obligé, si ce n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez inviter des gens, des prospects, à aller prendre une présentation au bureau mère. Right? uh just quick question I just said it but I should have asked first so can we uh, does that have to, is it only for partners or can we invite guests to come see that presentation once a month it'll be for guests too guests too okay yeah. so they them being in France they can send a, an American guest or any guest yeah. to come yes or you know what too That's a great time if you're from France come visit us here in the United States too yes. Alors moi, moi je pense toujours baiser. Je vous dire, envoyer des gens pour voir la présentation, mais David dit prenez ça comme une bonne excuse pour venir visiter les États-Unis, venir en Californie, de rencontrer David, d'aller avoir le bureau. Okay, all right. Okay, so um, you guys know we have corporate offices in Madrid, Spain, and I know that we have new people on here, but I want to make sure that I. I share that uh, we have a corporate office in Madrid, Spain, where and we're also opening up a corporate office in Central Asia next month. We've been hiring staff and they're getting trade currently. And so we're going to be opening up a corporate office fully staffed in uh, al -Maite, which is in Kazakhstan, which is Central Asia. And you guys might think, well, I don't know anybody in Central Asia. What I would get excited about is the fact that we're going to now have an imprint there where one day your business could be in that country or in a surrounding country in that area. Alors, vous savez qu'on a un bureau en Madrid, en Espagne, right? Et là, euh, on va avoir aussi un bureau où on vient d'engager énormément de personnes. Et on aura un bureau euh, dans Central de l'Asie, à Almaty. on va avoir aussi un bureau là-bas. Alors même si aujourd'hui vous ne parlez pas euh, le russe ou peu importe, parce que ça va être au Kazakhstan, euh, rien ne vous empêche de recruter ou parrainer des gens qui parlent français et le russe et peut-être avoir des, des indirects que, qui eux sont là-bas aussi. Alors I think one more point I want to add, David, like you mentioned, the, all this shows how solid uh, we are. You Just buy a building, yes. yeah, we, we're growing we're stable you, we're getting bigger offices we're getting offices in different countries so for the belief of where trevorium is heading this is very very powerful yeah um, you know five years ago when we start, first started out in france everybody was saying oh trevorium won't be here very long they're not a stable company and of course you know sabrina has been an ambassador for i don't know Four and a half years in the company, and along with Lily and Sandra as well, and um, some of the other ambassadors in our company, but they've enjoyed this residual-based income for many, many years, and so people no longer doubt anymore whether or not uh, trevorium is real. Alors, les amis, um, pendant plusieurs années, les gens disent, ah, je pense pas que va rester longtemps, ça va fermer. Uh, c'est pas solide. Uh, et pourtant, on a des ambassadrices, David a enseignées la plupart, uh, ça fait plus de quatre ans qu'ils sont là. Et on continue à grandir. Là, on va avoir, on est rendu à un, deux, trois bureaux. Combien de co compagnies que vous connaissez, ils ont trois bureaux fixes avec une vraie adresse, avec des employés. Alors, on continue d'agrandir. Alors, très important, Californie, Madrid en Espagne, et bientôt en Asie, Almaty, Alors, trois bureaux officiels avec le, de, de, des employés pour l'expansion de travail. Alors, vous êtes à la bonne place. All right. So I want to. I hope I spelled it right, but I'm gonna we're gonna be in Toulouse, France in November. I'm coming. Adela and I, Ms. Adela, we're coming to uh, France. We're gonna perform the, or do the Ignite Your Business Conference. And uh, we're excited about that. Uh, you'll start to see ticket sales. I believe by the end of the week we'll go up uh, in your back office. Yes. Alors, les amis, alors on a déjà annoncé le prochain événement qui sera uh, à Toulouse. Alors, d'ici cette semaine, vous avez, la fin de la semaine, vous allez pouvoir prendre vos billets dans le back office uh, cette semaine. Ça devrait être bon. Alors, qui, qui vient à Toulouse et qui vient à Toulouse dans le chat? Qui vient à Toulouse et qui à Toulouse dans le chat? Tous ceux qui vont venir, j'espère vous voir un grand nombre. Alors, David et sa femme Adela vont être présents. On va donner des trophées. Et moi, je vous demande, les amis, je vais le répéter à la fin aussi, passez au moins un rang. Un rang, faites-moi plaisir et passez un rang. Qualifiez-vous si vous n'êtes pas qualifié, montez un star si vous, pas, si vous êtes déjà qualifié, montez deux stars si vous êtes un star. Tout le monde passez un rang. Ok, moi, un rang dans le chat, minimum. So I, I asked them to do me a favor to at least rank up one level. At yes. least one level by November. If they're not qualified to get qualified, if they're qualified to get to one star, one star to two star. So uh, some people got greedy they said two levels. <laughs> you know, you can do it. It's just a matter of doing the activity. So you can definitely do it for sure. And I'll definitely see uh, you know, we have we have a lady in our company, and the most she'd ever made in network marketing was about two thousand dollars a month. And she's been in our company for about a year now. Um, Her name is Gulsum. and um in the last two months, she's made seventy seven thousand dollars in April. Alors, on a une partenaire qui n'a jamais fait plus de 2 000 dans sa carrière dans le marketing relationnel. Et en dehors de un an, elle a déjà fait 77 000 euh, US euh, avec Travarium. Donc, exceptionnel. Tout, tout, ça dépend de vous, les amis. Le temps, ce n'est pas fixe. Ce pas ça prend un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Le temps, ça dépend de vous. Et vous, ça dépend des activités. So you, you could definitely. That's enough time to rank up if you do the activity. It's all about doing the action steps in our business. It's all about talking to people. And when you talk to them, you got to talk to them with conviction. Hey, you believe travel industry is the largest industry in the world. Together, we can make money. I will help you succeed. Alors, amis, point important, c'est votre conviction qui va faire le closing pour vous. Soyez, so, soyez, soyez convaincus pour convaincre les gens. On est dans, la, dans le domaine le plus grand au monde okay? et que vous allez aider ces personnes-là à atteindre les objectifs. Il faut que les gens croient en vous. Il faut qu'ils croient dans votre conviction. Qu'est-ce que vous voulez dire? All right, all right. So, um, in the month of May, we had 2,445 people join the company. Wow, these two thousand numbers are are becoming uh yeah now like, uh, so our growth sales was six point two percent and you might think well last month was you know sixteen percent but last month was so big that for us to even have growth this month over last month is incredible but we are growing as a company. Alors uh, peut-être vous regardez le chiffre pour ça vous savez, pas beaucoup mais On a tellement augmenté dans les derniers mois, 6 c'est un gros chiffre. Et en ce moment, on dirait qu'à tous les mois, on augmente de 2 plus membres par mois. Alors, si les 2 000 euh, c'est un ou deux chaque, ben, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est des chiffres de fou, hein? c'est énorme. You know, Danny, that also represents, when you become an ambassador in our company, you get to participate in two different bonus pools. Alors, Grâce à tous ces ventes, ben, quand vous allez devenir ambassadeur, qui moi ambassadeur dans le chat, quand vous allez devenir ambassadeur, il y a deux bonus que vous allez pouvoir toucher grâce à la croissance de la société. Un qui est le pool et deux qui est le power up. Alors c'est deux bonus qui reflètent le nombre de personnes qui nous rejoignent. Okay. All right, so Uh, to give you an idea, those two bonuses last year at the uh, last month at the ambassador, um, just the bonuses, just the power up bonus uh, and the growth bonus pool for an ambassador was added up to $4,600. Just the bonuses. Just those two bonuses. Alors, les amis, juste le mois passé, en tant qu'ambassadeur, que vous pouvez avoir gagné un, un, un bonus. Sur toute la société, c'est-à-dire que les autres équipes qui sont pas dans nos équipes, on mange quand même dedans. Alors, je mets le, le total ici dans le chat pour vous. C'était un total de 4600 dollars juste en bonus en tant qu'ambassadeur. Est-ce que vous voulez devenir ambassadeur maintenant? Ça, c'est par-dessus le revenu fixe que vous gagnez et par-dessus euh, le lifestyle bonus qu'on gagne aussi. Yeah, so. Um the average ambassador last month um averaged eleven thousand eight hundred dollars uh in income. That, and that's some of them that are working, some that aren't working average less, and then some that are really working averaged more, made more. So the average was eleven thousand eight hundred in the month of April. Alors la moyenne des ambassadeurs le mois passé c'était plus de 11800 dollars. Ça, c'est ceux qui ont quasiment pas travaillé. Ceux qui ont travaillé, qui ont eu des nouveaux membres dans leur équipe, une croissance, ben ça a monté. et Ceux qui ont travaillé extrêmement fort, ben c'est pas, pas le minimum. Ça, peut, ça a pu monter à 12 000, 15 000 euh, et plus. You know, um, a lot of people used to say about our company five years ago oh, you could never make money in that comp plan. There's no money here. In fact, that's that's actually not true. Not only is there money here, it's stable residual income, which doesn't exist in most MLM companies. Alors plusieurs personnes disaient um, ah tu feras jamais de l'argent chez travailleur, travailleur ne paye pas. Et je sais pas pour vous là, mais on est encore là, cinq ans plus tard, et travailleurs paye. et c'est un revenu fixe. Il y a pas beaucoup de MLM, surtout les MLM de produits de santé, etc., que les personnes peuvent gagner autant d'argent régulièrement à tous les mois. You know, the other thing is true, Danny, is four years ago, we were a completely a different company than we are today. You can't even yeah. compare. We're so good today, um, over where we were at four years ago. Uh, in terms of our product offering, in terms of our comp plan, in terms of our stability in the company. It's a win-win. Alors, quatre ans passés, les amis, on était 1000% différents. On n'est pas du tout, comme j'ai mentionné ce week-end, on n'est pas du tout la même société quatre ans passés et sûrement pas sept ans passés comme moi j'ai dit oui. So it's, it's uh, you know, my advice to everybody on the call is that four years from today will be completely different. We'll be even better than we are today. Alors, um, pour vous, que j'aimerais vous dire, c'est que D'ici les prochains quatre ans, on va quand même encore évoluer. Et ça n'aura rien à voir avec qu ce qu'on a aujourd'hui. Ça va être encore quatre fois mieux. Allez-vous être avec nous quatre ans plus tard, dans le futur? Tout le monde met un quatre dans le chat. tu au moins nous donner un autre quatre ans minimum pour atteindre vos objectifs et d'être parmi nous. Tout le monde, mettez-moi un quatre minimum. So I'm asking them to at least be with us for another four years to see. The yeah. next change that we'll have. All right. So, ambassador world tour. So, you guys know when you become an ambassador, we send you on a world tour. And we give you a, it's all paid for, no travel points. We give you a $500 airline credit. You do one day of training. You get to walk around the resort, have fun, meet people, do all the great things as an ambassador. Alors, vous savez, les amis, on pay votre accommodation, on pay votre billet d'avion. Uh, vous avez une journée de formation. Uh, et tout ça, c'est inclus une fois par année. And you might be going, oh, well, so what? I mean, that's it for the ambassadors, no big deal. But the reality is this who do you think wins more? The ambassador for going or the partner that wants to become an ambassador? And I would argue that the partner that wants to become an ambassador wins even more because you get to spend time with somebody that's at a level where you should try to achieve to. Alors des fois, peut-être vous regardez et vous dites, ah oui, mais ça c'est pour les ambassadeurs. Non, ceci est pour vous, right? Pour vous, pour vous motiver à devenir ambassadeur. Alors qui va motiver dans le chat si vous, le, si vous avez le bon mindset pour avoir la bonne perception, ok? parce que être positif, c'est de dire ah, ok, je veux ceci et non ah oui, c'est pour eux pas pour moi, je suis pas encore rendu là. Vous devriez vous dire wow, ok, je veux devenir ambassadrice, je veux voir qu'est-ce que eux font, comment eux ont fait, je vais copier, dupliquer et aussi agir. All right, so wherever we have an ambassador doing a training in your organization. Or in your upline or or a French team, you guys. Those are the world tours that you want to go to first. You can go to a different exotic world tour the following year, but go to a world tour where an ambassador is. Go get trained. Go learn how to do the business. And when you're an ambassador, you can go anywhere you want. Alors les amis, um, c'est très important. Alors écrivez-moi ambassador world tour uh, A B A W T. Ah, je suis en train de jouer avec vous, là. Dis-moi AWT. Tout le monde, AWT. <laughs> AWT, OK? Alors, votre prochain World Tour, je sais que c'est fun d'aller en voyage et euh, s'amuser. Votre prochain World Tour, avec vos points, choisissez un World Tour où il y a un ambassadeur, ambassadrice français pour vous, pour vous former durant ce World Tour. Right. Like A -W -T. So I, I did an abbreviation. I told them to, to write A W T for Ambassador World Tour. Yeah. I want them to go to do to do that on the next trip that they go yeah. to use their points for one of those. So one of the things that I would encourage people to do, and it's what I did um, the first seven years or six years of of Travorium. I I ran a little bit out of balance. I invested in the company and invested in my future, and I thought long term. Um, and I sacrificed and gave up things that I like to do and explained them or exchanged them with work ethic. Alors oui, en octobre, c'est moi. En octobre, dans votre back office, Tenerife. En octobre, c'est avec moi. Um, alors David mentionne comme quoi que lui les premiers sept années qui était dans le business. Il a sacrifié. Il a sacrifié pour le long terme. OK, les amis? Alors, sacrifier pour le long terme. Je sais des fois qu'il y a des choses que vous préférez faire ou de l'argent que vous préférez dépenser pour un bon apéro, un bon souper, un bon week-end ou aller dans un mariage d'une amie. Mais si vous sacrifiez pour le long terme, vous allez pouvoir dire OK, je sais pourquoi j'ai sacrifié et j'ai la vie maintenant de la vie que je voulais avoir. Alors, je vais David sur le téléphone rapidement. Alors, um, en parlant de sacrifice, c'est la même chose que j'ai fait. Right? Ce week-end, je peux vous dire que euh, l'événement qu'on a eu, ben, j'ai dû rajouter sur le budget. Right? Ça, c'est un sacrifice financier, un sacrifice de temps, mais je voulais avoir le, un des plus beaux événements possibles, surtout en étant le premier. Mais je l'ai fait avec grand cœur parce que je voulais vous donner euh, un, un événement inoubliable. Right? Ce n'est pas une question de calculer, c'est une question de, je veux faire quelque chose de grand, je veux faire quelque chose qui me représentait. Donc, c'est pour ça que c'était le prix que vous avez payé, euh, les 50 euros. Et non, pour ceux qui me posent la question, ça n'a pas couvert qu'est-ce que vous avez eu, mais c'est OK pour moi. Pour moi, c'était vraiment faire ce sacrifice pour vous redonner. Right? Alors, j'espère un jour, lorsque vous, vous allez devenir ambassadeur, leader, All right. vous allez faire des sacrifices aussi pour la business. That's the that's the quickest I ever approved a a payment on a vacation home. I that's what I was on hold for. <laughs> no problem. No problem. <laughs> <laughs> All right. So um, we talked about uh, the value of going to a, a world tour. So one that I know that there's two of them that I know that's coming up. Sandra is going to be in Tazahout um, in Morocco in September. And if you want to go get trained by an ambassador, I would go to that event. She's a top ambassador in our company and it will definitely pay benefits for you to go. Alors, on a check a World Tour de uh, notre ambassadrice uh, Sandra, qui s'en vient bientôt au Tagazout au mois de septembre. Alors, ça, c'est un des World Tour ambassadeurs qui disponible. Yeah, and I would encourage, if you're a leader, I want to see people that go and book it today. I want to see if we get some leaders that say I want to be an ambassador and they book it today. Alors, David veut voir. Euh, quels euh, quel séjours ambassadeurs qui vont être réservés. Alors, comme on vient de mentionner, on a septembre avec Sandra. OK? Euh, alors, si ce n'est pas déjà fait, allez réserver. David, de voir qui va réserver aujourd'hui. Il euh, y a aussi, comme j'ai mentionné tantôt dans le chat, qui a mentionné qu'il y avait le mois d'octobre aussi que je faisais euh, à Tenerife. Mais allez voir les, les, les séjours que les ambassadeurs vont être. Le prochain 24-48 heures, David, de voir qui réserve. Danny, you're going to be in, I think, Tenerife, when in October. Yes, that's what I was reading in the chat. Someone mentioned this. I repeated. Yeah, So October, Tenerife. Yeah. Yes. Yeah. So you go from Tenerife right into uh, you might as well hang out and then go to France, right? And so we will do the two Lisa in France. We'll, we'll, we'll see how close the dates are, but yeah, yeah, uh, that could that could be good. Uh also we're gonna have a new world tour. I believe it's up for October. Um at the pyramids in Cairo, Egypt. Wow. Yeah. Wow. Okay, and and wanna, this one. This one yeah. the, the date is October or December? I'm confused on the on the flyer. Oh, so we already have one in October. We just signed a contract in December, and the December one will be in the back office too. Well, someone just wrote bordel in French means like what the heck. C'est une bonne thing, <laughs> Right? Bordel veut dire c'est fou, hein? Alors, les amis, on a quatre nuits, cinq jours pour 299 et petit déj au vrai pyramide. Alors, pour ceux et celles qui veulent vraiment euh, mettre un coup de, dans la gueule des gens qui n'arrivent pas dire qu'on est des pyramides, bah, allez prendre des photos là-bas, direct en Égypte. Hein? Allez direct là-bas, allez prendre vos vidéos. Alors, On a déjà une date. Yeah, one of the things too, Danny is David, like... It won't, during, it won't be doing it won't be doing the same dates of uh, um, the ambassador uh, ambassador trip, is it? No, no. The ambassador trip is uh, the first part of uh, December. They're, they're okay. not the same dates, no. Okay, okay. Yeah. Um, uh, by the way, if you get if you get if you get to go on the ambassador trip, you would definitely take the ambassador trip. Over this <laughs> trip to uh, uh, the, the pyramids, I promise you. I said to David, "If you're the same date as the Seward Ambassador, he said, 'No, I don't think so.' But I'm sure that if you're an Ambassador, you're going to want to come to the Seward Ambassador before doing this world tour that he's on." Yes. So, by the way, one of the things I wanted to point your uh, attention to is we we show the retail price, but then we show an instant savings, which is money that we take off the retail price. For all of our Travorian members before you apply points. And then after you apply points, and if you're a platinum, you could go for as little as $2.99. Alors, les amis, vous appliquez vos points et euh, si vous êtes en platinum, ça descend à 2,99$. Si vous êtes en titanium, ça va être un peu plus, mais vous pouvez quand même utiliser vos points pour y aller. Et si vous n'avez pas de points, vous payez la différence et c'est quand même une dinguerie. We have a lot of people from the French team that are going to Prague as well. Yeah, so. uh, 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 a stupid amount of people have told me that. How many rooms we got there? <laughs> a lot of people are going to the hundred. We trip. have a hundred rooms. I think we're going to need more rooms. Alors so. les amis, qui qui ça va à Prague qui un dans le chat qui va à Prague parce qu'on a environ une centaine de chambres. Uh, Je sais même pas qu'on peut prendre autant de chambres et David rajoute des chambres. Donc uh je pense qu'on va être un gros groupe. Il y a beaucoup de Français qui vont à Prague. Donc uh super content de voir votre participation uh at cette destination-là. Uh also, too, is uh Crete. We we got a new uh date in Crete, it's the week after it's $119 at at the platinum level. This is all inclusive, five days, four nights for $119. Guys, <laughs> nobody has these deals on the planet. There is no other MLM travel club that even comes close to what we have at Travorium. Yeah, I, I got I in the back. He, he was like, "What?" He came and hold it in. He's like, "What?" Yeah. <laughs> so, les amis, uh, right, uh, tout inclus, right, for 119 balls <laughs> to 16 over October. Wow so there's two things that I want to point out because everybody on this call they're they're building the business they're they they're looking to create income right when I would see this if I was a builder, I would look at it not through a consumer's eyes where I'd go, oh wow, that's cool I get to I personally get to go if I need to go to Egypt for two ninety nine I would never look at it that way. I would look at it as a builder, a business per person saying, "Oh my gosh. Look what I get to market. Where else in the world can do you have these kind of deals? You guys should get fired up and excited about what you're seeing." Alors, en tant que partenaire, euh, je donne un conseil. C'est pas de dire "Oh wow, je veux ou je j'aimerais ou ah, je peux pas, ça me saoule." Pour vous, ça devrait être "Regardez, Les types de voyages que vous pouvez faire de la promotion pour attirer des gens. Alors, tout le monde qui voit promotion dans le chat. Promotion, le mot promotion, j'écris avec vous. P-R-O-M-O-T-I-O-N. On a des voyages de dingue que personne ne peut comparer. C'est ça qui va attirer les gens vers vous. Et quand les gens sont attirés vers vous, là, c'est là où vous faites de l'argent. Yeah, so I'm about to do a live, live with. Team France, corporate update call. This is the first, right? Who? What? Uh, I'm about to do a live here. Who, you doing a live right now? Yeah, right now. How how you gonna do a live? Like with this one? I'm just gonna tell everybody, hey oh. guys, David Hart here. Wanted to say hi to Team Travorium around the world. I am in my corporate offices, and we are doing a corporate live update uh, with our team in France. They just got out of the event in uh, Nice. 400 people there, excited up, excited and fired up. And we just announced that we're going to be doing our corporate event. Uh, in France and, and Toulouse, did I say that right, Danny? Toulouse? Yes, you did. Toulouse. Okay, fantastic. In uh, in November, our big corporate event, the Ignite Your Business Conference, uh, with our our French team, we're so fired up about everything going on all over the world. And um, Vive la France! Yes, vive la France. We're en direct sur the Facebook Live de David, les amis. All right. All right. I'm going finish up on my Facebook Live. We'll talk to you later on. All right. Alors, tout le monde mettez un cœur, mettez un cœur. Everybody, tout le monde mettez un cœur pour David. David nous aime tellement que pendant qu'il est en Zoom avec nous, il fait un live. Je l'ai dit, les lives étaient puissants et importants. Hein? On en a parlé ce week-end. Qui a pris des notes? Il fait un live sur son mur pour dire qu'il est avec nous. Alors, je ne veux plus que personne pense qu'on n'est pas important. Parce que David n'a jamais fait ça avec d'autres équipes. Yeah, right on est l'équipe la plus importante, les amis. Alors, donnez-moi un bon cœur pour David. que Écrivez « David, we love you ». Écrivez ça dans le chat. « David, on t'aime ». Dans le chat. Oh. So, lots of heart. Lots of « David, we love you ». They can actually speak English. Ah, vous savez comment écrire « I love you » en anglais? Ah, c'est bon, ça. Ouais. Hey. Vive la France. Vive right la there. France. Yes. Oh, Vive la France. That's good French. That's good French. Vive la France. Vive la France. That's good French right there, bro. Yeah. Uh, to, uh A bunch of uh, uh more world tours coming this year. We're not done putting out world tours. Kowloch ka in Thailand in December. Istanbul, Turkey in November. And Cairo in December, which I shared with you guys. Wow. 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 Kaolak Lak en Thaïlande en décembre, Istanbul, euh, Turquie en novembre, l'Égypte en décembre. On n'a pas fini de rajouter des World Tours. Yes. So what we do here at Travorium is we show people how to see the world, Danny. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Travorium? On aide les gens à voir le monde. Quelqu'un peut l'écrire dans le chat? On aide les gens à voir le monde. But even, even more than that, we're a better life company because we show people how to create a better life uh, through the opportunity to create income with Trevorium. Alors well, encore mieux, on montre aux gens comment avoir une opportunité de faire de la l'argent. Oh, merci, Maeva. On montre l'opportunité aux gens comment faire de l'argent. I just lost everything. Right. Okay. Bye. All right. Okay. So uh, that's my presentation for the day. I, I I I just absolutely love coming on here, and just chatting and sharing with the the French team. And and we'll do it again, Danny, at the first yep. part of July. We'll be back on it. Uh Big announcements coming over the summer. Can't share just yet, but we've got some big things happening behind the scenes. But I shared a lot of big things uh, about our company, the stability of our company. Um, the timing to be involved in our company. Um, you know, companies that are having success and have stability talk about things that we talked about today. And so you have to read into that presentation that I just shared with you today. Alors, on a quelque chose d'exceptionnel, les amis. Uh, C'était mon temps pour vous. Restez à l'écoute. J'ai deux petits témoignages pour vous. Uh, mais travaillable continue de grandir. On a des grosses, grosses, grosses annonces pour vous qui s'en viennent. Comme j'ai mentionné euh, ce week-end, que je n'ai pas pu vous dire, vous allez rien comprendre quest ce qui s'en vient euh, cet été. Alors, restez plugués, restez connectés. Encore une fois, dites merci. Right? Dites merci en français, dites merci en anglais, thank you, à David. Et vous allez partager l'information qu'on vient de vous dire okay, pour attirer les gens à avoir l'opportunité du voyage et l'opportunité de faire de l'argent. So, everybody, big hey. thank you to David in the chat, s'il vous plaît. In French, in English, in Chinese, whatever language, peu importe la langue, dit merci à David dans le chat. Hey, I think the best part of the the uh, corporate calls coming up, I see two very special women, business women on this call. Uh, I appreciate you both so much, in uh, Lily and in Lise. You guys are both uh, dynamic, and I think the world of you guys. Alors, David dit la meilleure partie s'en vient, uh, il apprécie énormément. Uh, ces deux femmes extraordinaires uh, qui vont témoigner ici dans quelques minutes. Alors, ils vous apprécient et vous voient très, très grand dans son estime. Alors, merci uh, pour tout ce que vous faites. All right. So, with that, my part is done and I believe the best parts to come right now. Yes. Thank you, David. I appreciate yeah. you, my friend. Okay. Take care. All bye bye. Right. Boss mode. Alors, tout le monde, merci encore une fois uh, à David. <coughs> Comme je l'ai dit, les amis, on est à la bonne place. On est à la bonne place. Et on, on a quelque chose de, de, de précieux dans nos mains et il faut le partager. C'est tout. Passez moins de temps à convaincre les gens, passez plus de temps à parler à des nouvelles personnes. Okay? Là, on vient de se rassembler tout ensemble et faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, tout le monde est excité, tout le monde a l'énergie. Alors, il faut garder cette énergie-là jusqu'en novembre. Et en novembre, on va se rebooster encore. Right? Alors, rapidement, alors quelques minutes, les amis. Alors, j'ai ici avec moi. Boom. Alors, deux top ambassadrices qui étaient là ce week-end, qui ont pu euh, ils ont fait quelque chose de dingue. Est-ce que vous avez aimé? Vous avez aimé qu ce qu'ils ont mis en place euh, ce week-end? Alors, I, I, I just have to come on and say hello to Lise <laughs> and Lily publicly. You guys are champions. You both rock. Uh, Adele and I appreciate you guys so much for showing other women how to lead by example. Alors ils you énormément. Oh, vous êtes une super belle exemple uh, de la duplication de aider d'autres femmes à aussi devenir libres financièrement. Ils vous apprécient. Ils voulaient le faire publiquement uh, devant tout le monde comment ils vous apprécient. Non seulement vous êtes puissante, uh, vous avez beaucoup de succès, vous êtes très charmant, vous êtes super belle. OK. Bye-bye. Thank you, David. Yes. Eh non, mais là, il va casser vos cheveux. Hein? Ah non. Hein? Pourquoi moi, il ne dit pas que je suis beau? Moi aussi, je suis beau. Hein? Et les amis, je veux des fleurs. là. Donnez-moi deux, trois fleurs. Eux, ils ont eu un bouquet. Est-ce que je peux avoir deux, trois fleurs? Bon, regarde. Pas compliqué. Est-ce que j'étais beau dimanche? Hein? Est-ce que dimanche, c'était beau? J'étais bien habillé quand même? Hein? J'étais la bombe? Tu vois, j'essaie de casser mes propres chevilles, là. <laughs> Allez, Lee, je vais commencer avec toi. Um... Et... Et avant que tu... tu parles ici dans le chat, encore une fois, je vais rajouter sur qu ce que David a mentionné. Uh, exceptionnel. T'es... J'ai beaucoup de retours sur tes partenaires, les gens de ton équipe, euh, sur le travail que tu fais. Et euh, je sais que tu te bats. Tu te bats pour non seulement réussir, mais tu te bats pour aider ton équipe à réussir. Um, donc, merci pour le super World Tour que j'ai vu uh, en story, en real uh, formation que tu as eu um, au Maroc. Et uh, j'ai hâte de te revoir très bientôt en novembre et peut-être avant. Et définitivement en décembre, ces jours ambassadeurs, je sais qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, tu voudrais nous faire un, un petit retour sur euh, qu'est-ce que David a mentionné et aussi un petit retour sur le superbe week-end qu'on vient d'avoir. Déjà, bonjour tout le monde. Euh, merci, euh, Dani, pour, euh, pour ce petit mot. Tu sais très bien que, que voilà, je t'adore et j'adore travailler avec toi et euh, c'est toujours un plaisir de te voir euh, sur. Euh, sur, sur tous les événements déjà je voulais euh, remercier toutes les personnes qui sont venues euh, qui sont venues à l'événement à Nice parce que clairement euh, on était nombreux je sais pas combien on était on était 400 ans, 500 ans. Je ne sais même pas combien on était, c'était dingue. Et, euh, et franchement, euh, voilà, je sais que. Bon, Daniel, et David l'ont mentionné tout à l'heure. Et puis, c'est vrai qu'avec euh, les ambassadeurs, on ne fait que le dire et le redire. Mais franchement, les événements, c'est puissant. Euh, ceux qui ont déjà fait des événements vont vous le dire. Franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Tant qu'on n'en a pas fait un, on ne peut pas euh, comprendre la puissance que ça a. Euh, moi, je sais qu'au début, je n'avais pas cette vision-là. Je l'ai redit tout à l'heure sur un Zoom. Mais euh, quand j'ai commencé. C'est Lily qui m'a mis un coup de pied aux fesses un peu parce que je j'avais pas compris en fait la puissance des événements, je voulais pas venir. Euh, en tant que bonne sudiste, je voulais pas payer mon retour à Paris parce que je me suis dit c'est bon c'est loin c'est en peu mois d'août etc j'ai envie de rester dans le sud j'avais pas du tout la bonne vision Lily elle est venue elle m'a appelé elle m'a même pas engueulée elle m'a dit c'est quoi ce mental de chiffre réveille toi et en fait je suis venue à Paris et c'est là que j'ai compris en fait que, que ben voilà qu'elle peut monter dans une entreprise de fou je le savais déjà mais le fait d'être là de rencontrer tout le monde de voir les ambassadeurs en vrai de voir David de voir Adela de voir Todd c'était tellement incroyable que je me suis dit mais et ok, en fait, je suis à ma place. C'est là, en fait, que j'ai vraiment compris que, que, ben voilà, que l'entreprise, elle était dingue, qu'on avait une chance mais incroyable d'être là. Alors oui, c'est pas toujours près de chez vous, ça coûte parfois beaucoup d'argent, des fois euh, d'argent de qu'on n'a pas forcément. Mais franchement, euh, investissez sur vous-même. Euh, je sais pas si, si vous vous rendez compte, mais combien d'argent est-ce que vous dépensez euh, tous les mois pour aller manger au resto, boire un verre, vous acheter des fringues, euh, des choses que vous n'avez pas forcément besoin. C'est de, de l'argent qu'on met. Euh, euh, voilà, juste pour se faire un, un petit plaisir euh, euh, sur le moment. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Ça vous apporte rien. Donc, euh, vraiment, investissez-vous, investissez sur vous. C'est hyper important. Et, et pendant cet événement, on a essayé de vous faire passer plusieurs messages. Euh, J'espère que vous les avez entendus. Euh, parmi ces messages, bon, il y en avait plein, hein, je ne vais pas m'attarder dessus, mais déjà, vous êtes tous capables de réussir. Euh, on est tous partis de zéro, c'est ce que euh, David le disait aussi tout à l'heure. Euh, votre situation d'aujourd'hui, c'est pas votre situation de demain. Euh, ce n'est pas parce que euh, vous avez du mal à, à faire rentrer des nouvelles personnes, c'est pas parce que vous n'avez pas encore le palier que vous voulez, que vous allez échouer pas du tout. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner si vous n'abandonnez pas, comme le dit Dany, D'ailleurs, est-ce que vous avez retenu la phrase <laughs> On va voir s'ils ont retenu Dany. Mais euh, voilà, c'est hyper important en fait de, de comprendre que vous pouvez réussir. Euh, les ambassadrices qui sont arrivées... Il euh, y a quelques années, avait rien, avait rien du tout. Donc euh, voilà, aujourd'hui, maintenant, vous avez vraiment la chance d'avoir euh, des super world tours, des super formations. Donc euh, donc voilà, vraiment, croyez en vous. Euh, on a tous eu des coups de mots aussi, des coups de durs dans notre business. Euh, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, tout rose mais c'est accessible à tout le monde. Euh, voilà, je sais pas vous, mais, mais, euh, mais voilà, c'est important de. Enfin, moi, j'en ai marre d'entendre ce n'est pas fait pour moi ou ça marche que pour quelques personnes. C'est n'est pas vrai. Euh, pour moi, ça marche à 100% des cas. Pour 100 personnes, des personnes qui s'investissent pour de vrai. Donc euh, voilà, donnez-vous à fond. Et surtout, le dernier message qu'on a qu'on a, qu a voulu vous faire passer avec Lily, je pense qu'elle va en parler après, mais c'est vraiment qu'on n'est qu'une équipe. Euh, oui, OK, il y a des sous-groupes, OK, d'accord, etc. C'est très bien, petit comité, famille, ce que vous voulez. Euh, c'est OK. Mais n'oubliez pas une chose c'est qu'avant d'être un sous-groupe, on est une famille, on est une seule équipe, on est des humains. Partagez, allez parler à d'autres personnes, ne restez pas dans vos, dans, dans vos cases. Euh, voilà, on est, on est, personne ne s'appartient en fait. Allez voir plus loin que, que ce qu'on vous propose, parce que c'est là en fait qu'on va évoluer. Et dès que vous allez comprendre ça, mais ben, vous allez voir qu'on va cartonner. Et je pense qu'on est en France, on est des super... enfin, on est une super équipe, on est des bosseurs. Mais maintenant, il faut aller chercher plus loin. Euh, je pense qu'on n'est pas à notre place, qu'on peut aller beaucoup, 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 beaucoup plus haut que ça. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'unisse et qu'on fasse ben, de belles choses ensemble. Bon, je ne sais pas, j'ai lu dans le chat, um, ils ont écrit, euh, Lise, on ne on, on, on argumente pas, on ne on, on, on achète pas et on ne euh, revend pas. C'est ça Non, ce c'est pas ça. C'est quoi encore Non, c'est on ne se plaint pas, on ne se compare pas et on n'abandonne pas. Ah, <laughs> la okay. base. La base, la base. Top, top. Et merci, euh, Lise, ah, pour ce beau retour à ton énergie, je rebondis sur ce que tu as mentionné, uh, une équipe, une équipe. Et je pense, c'était ça la, la, notre mission. Je pense qu'on a accompli la mission. Je pense que les gens ont pu échanger, ils ont pu partager, ils ont écouté, um, ils ont pleuré. Uh, il faut que les gens réalisent, c'est ça notre force. Et les gens nous ont copiés, les Russes nous ont copiés, OK? Ils, ils sont une équipe. Donc, allons, travaillons ensemble, peu importe si... Euh, vous avez des noms ou des groupes d'équipes séparés, des branches. On est une, on est one team, les amis. Ça, c'est très important. Et quand on vient aux événements, quand, quand vous êtes venu et la prochaine événement en novembre, ça va tout changer. Merci énormément, Lise, euh, pour tout ce que tu fais et ton beau témoignage, très apprécié. Merci ah, beaucoup. Et si je peux juste terminer sur un truc, j'ai oublié euh, oui. les one tour euh, venez au World Tour. Euh, comme Dani l'a dit tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir des ambassadeurs qui viennent euh, sur les World Tours pour vous former, pour passer du temps avec vous. Euh, franchement, c'est dingue. Euh, moi, j'ai kiffé mon World Tour. C'était à Tarazout. Euh, j'ai pu rencontrer plein de personnes, dont des personnes que je ne connaissais pas du tout. Il euh, y avait plein de gens euh, complètement différents. C'était incroyable. Euh, c'est hyper important aussi de s'entourer de personnes bah, du coup, qui ont le, 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 la vie que vous avez envie d'avoir. Et, euh, et puis, même pour, pour moi, franchement, c'était incroyable. J'ai appris tellement de choses. Et, et je sais qu'il y en a parmi vous, parce que j'ai déjà eu les, les réflexions, euh, mais je pense que ça rejoint un que peu ce que, ce que disait euh, David tout à l'heure. Il y en a plein qui m'ont dit Oui, mais bon, c'est toujours pour les ambassadeurs, etc. Et non. En fait, c'est ça que vous n'avez pas compris c'est que justement, vous avez euh, la possibilité euh, d'évoluer. Euh, c'est pour vous motiver à, à, à devenir ambassadeur. Euh, on vous voit, c'est une carotte, mais incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que dans quelques temps, dans quelques mois, vous allez pouvoir partir en World Tour gratuitement pour rencontrer votre équipe, pour rencontrer en réel vos, vos, vos partenaires et pour euh, leur, euh, leur apprendre euh, des choses. C'est juste incroyable. Donc, au lieu de vous dire c'est que pour les ambassadeurs, dites-vous OK, euh, c'est pour nous. Euh, on va charbonner, on va taffer deux fois plus. Et puis l'année prochaine, c'est nous qui partons en World Tour. Bon. Et, ouais. et sur ça, <laughs> euh, moi qui étais là depuis très, qui est là depuis très, très longtemps, ben il y avait pas de ces carottes-là. Right? À Danny, regarde, Ce n'est pas, ah, Dany, deviens ambassadeur, les regarde qu'est-ce qu'on a pour toi? C'est à cause que j'ai monté ambassadeur et vous avez monté ambassadeur, que là, on a rajouté d'autres carottes pour les prochains, pour les motiver aussi à monter. On va continuer à rajouter. Donc, prenez ça comme une motivation et dites-vous que les gens que vous parlez avec, que vous avez parrainés, bien, c'est une bonne motivation pour eux aussi. Au revoir, ah, quand je deviens ambassadeur dans cette société, voici toutes les choses qui ont déjà en place. Encore une fois, merci Lise. On va poursuivre avec Lily. Euh, encore une fois, regarde, je pas trop de soucis là. T as, t as, tes tes cheveux sont cassés en quatre morceaux. Ma petite soeur, euh, <laughs> super événement qu'on a eu ensemble. Euh, la photo, euh, la photo que tu m'as envoyée, auquel okay, on était derrière la salle, ça, ça dit tout dans le fond. Ça, ça dit tout. Euh, merci énormément pour tout ce que tu fais. Merci de travailler avec Lise, Je sais que Lise, ce n'est pas facile de travailler avec elle. Euh... <laughs> Et, et je sais que Lise c'est pas facile non plus pour elle de travailler avec toi donc euh, les deux ensemble, vous êtes bien quoi toi euh, mais euh, vous avez fait du super super bon travail ensemble et euh, vous avez euh, quasiment forcé les gens à travailler ensemble et ça c'est pas évident, c'est pas facile vous avez eu cette idée là de, de faire les gens regrouper tout ça et j'ai hâte, j'ai hâte aux zones qu'on va avoir ensemble à ce sujet là Mais merci encore euh, pour tout ce que tu fais et je veux rajouter encore, parce que je, je, je sais que je l'avais mentionné, il faut que je le mentionne encore. Ce prochain événement du 16 novembre, OK? Um, Écrivez-moi, dites merci à, à Lily. Je sais qu'elle a des gens qui l'ont aidé, mais dites merci à Lily, parce que ça fait, ça fait des années que Lily essaie d'avoir un événement, OK, dans ce coin perdu. OK? Je sais pas, c'est où Toulouse? <laughs> J'ai aucune idée, c'est perdu pour moi, peut-être que ce n'est pas perdu. Ça fait un moment que Lily veut avoir quelque chose de proche de Bordeaux, Toulouse, machin chouette, et euh, ben finalement, on va l'avoir. Hein. On va l'avoir. Donc, Lily, un petit retour sur ce soir et notre convention. Merci beaucoup Dani. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous les euh, mots que tu as eus, même si je t'en ai parlé en, en privé après l'événement parce que ça m'a énormément touchée. et euh, merci pour tous les mots que tu as eu pour euh, du coup, euh, la conférence. Franchement, c'était euh, voilà, tu sais ce que je pense de toi et il y a des choses comme ça quand elles sont vraiment vraies et réelles, on n'a pas besoin de le dire finalement en public parce qu'on le sait euh, nous euh, entre nous, donc merci encore une fois, mais euh, euh, je voulais quand même aussi te remercier pour euh, la conférence euh, à Nissan, c'était juste incroyable, j'ai eu que des bons retours, euh, même moi euh, j'en suis repartie, euh, je pense que j'en avais besoin, t as, t as su lever en fait euh, les partenaires au bon moment, et, euh, et, euh, et ce qui a été beau c'est qu'on a pu retrouver euh, cette union, et, euh, et en fait tout tout, toute cette magie qui a été faite par rapport à Nice, ça part de toi, mais les équipes derrière l'ont nourri aussi. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, en fait, le travail d'équipe et l'union. C'est qu'on a réussi tous ensemble à faire quelque chose de beau. Et je sais qu'aujourd'hui, là encore, pour ceux qui étaient là à Nice, dites-moi là en commentaire. Je suis sûr vous avez encore les étoiles plein les yeux. Vous n'arrivez vous pas à redescendre. Moi, je vous dis la vérité, j'en suis à ce niveau-là. Ça veut dire que je, je, je n'arrive pas à descendre. Je suis fatiguée. <laughs> je sais pas si vous êtes tous fatigués on a la voix tous comme ça on est fatigué mais j'arrive pas à redescendre tellement que ça a été un, un magnifique moment et je voulais vraiment te, te remercier et, et par contre ça te le dire vraiment c'est que je suis vraiment très fière de toi pour tout le travail que tu as fait parce que tu l'as fait vraiment avec le cœur euh, parce que j'étais là je t'écoutais au téléphone tu m'appelais etc tu as vraiment organisé tout ça et ça s'est ressenti sur la conférence donc vraiment merci beaucoup euh, donc comme il a dit euh, oui ça fait longtemps que je veux euh, qu'on fasse une conférence à Toulouse parce que pour moi Toulouse c'est pas une ville perdue. <laughs> C'est une très belle ville, c'est la ville rose. Et Dani, quand tu vas y être, je suis sûre que tu vas aimer. Euh, voilà, et euh, je sais que euh, niveau emplacement, ça aide beaucoup de personnes et, euh, et que vous allez être tous, euh, tous présents. En tout cas, là aussi, dites-moi, même si vous l'avez déjà dit, je vais être sûr de m'assurer que toutes les personnes qui écrivent Toulouse, vous serez bien là. Parce que moi, j'ai l'objectif, et on a tous l'objectif, ce n'est pas que moi d'ailleurs, c'est tout le monde, de ramener plus de 600 personnes. La salle, d'accord, du palais du congrès a la capacité d'accueillir 870 personnes. Je vous lance le pari. Moi, je dis ça, je dis rien. Et si on essaie de monter à 870 personnes Voilà. Alors, pour ça, moi, j'ai une petite stratégie. Qui c'est qui veut être qualifié à Toulouse Qui c'est qui veut s'assurer D'accord, on s'assure. Mais quand je vous dis on s'assure, c'est on s'assure. C'est un investissement, d'accord Qui c'est qui veut s'assurer pour ceux qui ne sont pas qualifiés, après, vous pouvez monter vos positions. Hein. On est là pour monter vos positions. Mais qui sait qui veut s'assurer qu'il va avoir des signatures après Toulouse Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On a une très grande salle. On a une très belle ville. On a une très belle société. On a un très beau PDG qui vient en France. D'accord On a de très beaux leaders. On a un petit Danny, Monsieur Chocolat, qui va faire euh, un petit peu virvolter tout ça. OK Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait, tout simplement Pourquoi on n'inviterait pas des prospects à la conférence. Je vous explique pourquoi, parce que c'est stratégique, d'accord La conférence qu'il y a eu avec Dany, vous l'avez vu, là, c'est quelque chose dans l'équipe. C'est dans l'union. On est là pour se retrouver. On est là pour faire une union et pour tout défoncer ensemble, d'accord C'est on prépare l'armée, en fait, ce genre de conférence. On est une armée, on ressort, euh, voilà, on ne s'arrête plus, ok Les euh, conférences avec David, là, ça va être un petit peu plus professionnel. C'est normal, c'est une entreprise. D'accord Il y a le PDG qui est là. Vous savez, quand on dit euh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais là, le chat, il sera là. Donc, on va pas trop. On va faire attention. <laughs> donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement Tout si simplement, c'est ramener des gens, ramener des prospects, investissez, payez-leur une place. Vous voulez être qualifié, vous n'êtes pas qualifié, payez trois places. C'est un investissement. Mais je vous assure qu'ils vont signer. Vous savez pourquoi Parce que 90 des personnes. Qui font des conférences, et je le sais parce que j'ai déjà invité des prospects, même des gens que je ne pensais pas, c'était juste des amis. Qu au final, on signe après une conférence de Traborium, à 90% ils signent. Des fois, ils n'ont même pas besoin de regarder la vidéo de présentation tellement qu'ils ressortent de là et ils sont fous et ils signent de suite. Je vous le promets, c'est très puissant, d'accord Parce que je l'ai vécu et si vous en avez ici qui l'avez qu déjà vécu, dites-le aussi en commentaire, c'est vraiment très puissant. Donc ce genre de conférence avec David, c'est le moment où il faut taper. D'accord C'est vraiment le moment. Vous avez six mois devant vous. C'est le moment où il faut taper. Invitez des amis, de la famille, des prospects. Invitez qui vous voulez. Ces gens-là vont signer. D'accord Vraiment. Il y aura David. Juste ça. Il y aura le PDG. Juste ça. On ramène le PDG. Il sera là. D'accord Donc, je vous mets au défi. Moi, je vais travailler de mon côté. Je vous promets que je vais ramener des prospects. J'espère que vous allez ramener et qu'on va remplir cette foutue salle de personnes qui vont signer pour notre société. Et quand on va ressortir de là, on ira boire un verre avec eux. Est-ce que je peux vous... Oui, un verre, parce qu'on est dans le sud, vous êtes chez moi, les gars, donc on va voir. Donc, par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que si on sait qu'il y aura des, des prospects, nous, de notre côté, tous les leaders, tout le monde, on va faire nos maximum, notre maximum pour qu'ils signent et on va travailler pour vous d'accord on va vous aider et c'est ça la puissance d'une équipe c'est ça l'union d'accord c'est ça la cohésion c'est exactement ça voilà donc je voulais faire un petit point par rapport à ça je voulais vous mettre cette, petite cette petite idée en tête en tout cas j'espère vraiment que vous allez l'appliquer voilà euh, après évidemment euh, je, je rejoins ce que a dit euh, David euh, il faut croire à la société d'accord il faut vraiment croire à la société pour pouvoir en parler et pour pouvoir en fait si vous voulez transmettre cette passion. Une personne qui croit à la société et qui est passionnée, parce que forcément, on devient passionné, d'accord, on va savoir la transmettre avec sa gestuelle, avec comment on va en parler, avec le sourire, avec tous les voyages qu'on a pu faire. Les choses, elles vont venir toutes seules. C'est la règle numéro une. croyez à la société. Et je pense que vous n'avez même pas besoin d'avoir des doutes par rapport à ça, parce que je suis une ancienne, moi aussi, donc j'ai connu Traborium sans tout ça, sans les petites carottes, voilà, il n'y avait pas énormément de choses. Mais pourtant, moi, j'ai cru à la société. J'ai cru avec rien. Donc aujourd'hui, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis dosée, j'en peux plus. Euh, franchement, je pourrais me faire un tatouage travorium tellement que j'aime cette société et que je la vois évoluer et que je me dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on où on sera dans cinq ans encore ça ça il y a le changement qui a eu d'accord. Donc vraiment croyez à la société et vous allez vous allez pouvoir transmettre cette passion là et vraiment je vous le conseille, et c'est même pas que je vous le conseille, c'est que j'espère que c'est le cas dans tous les cas, parce que sinon, je ne sais pas ce que vous faites là, les super, cette société, d'accord Donc, juste ça. Évidemment, moi, quand je me suis lancée, on m'a dit, euh, Lily, tu ne feras pas d'argent. Voilà, ce n'est pas ton monde. Hein. Toi, tu viens de la campagne. Toi, tu connais les vaches, tu sais traire des vaches, des moutons, etc. Enfin, rien à faire dans le marketing de réseau. Euh, ce n'est pas du tout ton monde-là, etc. Et évidemment, on me l'a dit. Mes proches me l'ont dit. J'ai dit, OK, c'est quoi C'est pas grave. Moi, je vais faire mon petit truc. Et euh, évidemment, la réussite, ça s'accompagne d'échecs. Et c'est la vérité, c'est un fait, c'est comme ça. Mais euh, là aussi, un conseil que je peux vous donner, c'est la résilience. La résilience, c'est quoi C'est la capacité à un individu à, à, à s'adapter aux défis. D'accord C'est la capacité de passer à travers tous les défis que se présentent à nous. Et c'est exactement ça. La résilience. C'est vraiment du coup ce que vous avez vraiment besoin pour pouvoir évoluer, surtout de pouvoir continuer, de ne jamais abandonner, en fait, tout simplement. Soyez résilients, d'accord Soyez résilients, parce que c'est ça qui va vous amener vers la réussite. Quand on est résilient, on est capable, du coup, de tout surmonter. On continue nos actions, on a la tête droite, on ne baisse pas à la tête, on, on a les épaules bien hautes et on continue. Et même si on se prend des portes, même si on se prend des vagues, on continue d'y aller, on continue de tout déchirer. Et c'est à un moment précis, parce que le destin fait bien les choses, que vous allez passer à ambassadeur. Et quand vous allez passer à ambassadeur, Bien, il y aura Lise, il y aura ma petite chaussette, il y aura Dani, il y aura Sandra, il y aura Sabrina, il y aura tous ces nouveaux ambassadeurs, Méline, etc., et les autres qui seront là et on va vous tenir la main et on va vous dire, eh bien, maintenant tu es au Mexique au le Tour, on va faire une petite conférence avec David. Et On va boire de la pin pinacolada sur la plage, mais vraiment sachez que voilà c'est euh, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Et je vais terminer en fait tout simplement euh, avec une phrase qui a été dite euh, du coup à la conférence avec Dany, qu'on a dite avec Lise qui résume exactement tout ce que je viens de vous dire par rapport au partage d'équipe à la cohésion. Et je le redis encore le talent gagne des matchs, ok, mais le travail d'équipe et l'intelligence gagnent des championnats. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va gagner des championnats. Fin d'année, on veut des trophées. On veut vous donner un maximum de trophées. On veut vous féliciter. On veut que toute la France vous félicite et pas que toute la France, mais on va dire même les gens qui sont hors France, dans le dom-tom, etc. D'accord Donc, on compte sur vous. On croit en vous. Croyez en vous. Soyez résilients. Et je vous promets que vous aurez le fruit de votre travail. Parce que je l'ai fait. Dani l'a fait. Liz l'a fait. Et toutes les autres ambassadrices l'ont fait. Donc, faites-le. C'est vous qui avez les cartes en main. Voilà. Je termine. Voilà, bon, mais je chiale, je suis désolée, ce n'était pas le but. <laughs> je termine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On sera toujours là pour vous. Et nous, on vous retrouve du coup avec ma petite chose euh, dimanche prochain, prochain, excusez-moi. Euh, du coup, à 21h, on pique un petit peu la salle à, à Dany pour qu'on puisse continuer sur le projet de faire des présentations nationales et qu'on fasse vraiment un vrai travail ensemble. Voilà. Bisous tout le monde. Bon, bon tout le monde. Waouh! Hey, je pense que tu pas prêt pour tout ça. Hein? Alors, dites euh, merci à Lily. Euh, dites merci à Lise euh, pour ce super beau message. Euh, et la stratégie, je sais qu'il y a des détails qu'on va vous revenir. J'ai vu des demandes pour World Tour. On vous revient là-dessus. On regarde si c'est possible ou non. Et qui dit-vous pas sur tous les détails concernant Toulouse? C'est quand même au mois de novembre. Alors, on a de la marge. Alors, pour l'instant, prenez vos places. Et prenez les places, des billets d'extra pour vos partenaires, pour vos prospects. Parce que la chance de rencontrer David, c'est exceptionnel. Et aussi, rajoute, je rajoute, montez tous un rang. OK? C'est comme ça qu'on peut vraiment aider l'équipe. Si tout le monde passe un rang, on aide tout le monde. All right? Parce qu'on est une famille, une équipe, une vision. Vous voulez avoir un impact. Vous voulez. Des fois, vous vous dites, ah, tu sais, ça serait cool, mais je ne suis pas encore prêt à faire des présentations ou à faire des lives ou à... j'aimerais aider l'équipe, je ne sais pas comment. Vous voulez aider l'équipe? Vous voulez faire votre part? Allez chercher un rang, OK? Juin, juillet, août, septembre, octobre, il y a plus de cinq mois. Si vous n'êtes pas qualifié pour vous qualifier, trouvez trois. Vous avait cinq mois pour aider vos partenaires, à passer un rang, que ce soit qualifié ou un star, etc. Mais c'est tout le monde. On s'entraîne à faire le minimum personnel qu'on a le contrôle dessus, c'est aller chercher trois personnes. OK? Aller chercher trois personnes, aller chercher un rang et ça va aider tout le monde. Et si on fait ça à chaque événement, là on va tout déchirer. Alors, dimanche, alors, euh, dernière chose, n'oubliez pas, c'est pas ce dimanche. Alors, dimanche le 9 juin. C'est dimanche férié, congé, nada, pas colada, il n'y a rien. OK? Travailler, bosser. Il n'y a pas de Zoom, je ne ferai pas de Zoom, je serai en plein vol. OK? Je vous donne le temps de digérer l'événement qu'on vient d'avoir et moi, je vais me reposer en même temps. Mais l'autre d'après. Right? Merci, Lise. Yes. Dimanche 9 juin, nada. venez pas sur le Zoom. Ouais, Danny, Danny, tu n'es pas là. Well, il n'y a pas de power hour, il n'y a pas de zone Leadership. OK? Uh, ça va être affiché sur Boss mode Forever. Um, alors, tout, uh, alors, ça va être affiché. Numéro 2, je vous ai promis d'avoir um, ma formation. Ça s'en vient aussi. Vous allez l'avoir. Soit je vais l'annoncer cette semaine ou le 16, je vais vous le donner. Tout va être bon. Ça dépend combien de forces que je reprends. Right? Alors, il y aura des petites. Alors, il y aura ça. Et je crois qu'il y a une surprise aussi. Je crois qu'il y a une surprise aussi le 16. Je ne sais pas encore. On verra. On verra. Mais soyez présents le 16 pour qu'on puisse bien vous expliquer. Lise et Lily vont bien vous expliquer qu'est-ce qu'on a mis en place en termes de présentation sur place, les équipes et tout ça partout à travers la France. Et j'ai pensé un peu à, à qu ce que vous avez mis en place, Lise et Lily, et je me suis dit wow, um, j'ai hâte. J'ai hâte de voir les gens nous dire dans toutes les régions de la France. Okay, je pense que c'est là qu'on va atteindre le, 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 le top du top. C'est de savoir qu'il y a des présentations à tous les semaines sur place. J'ai hâte aux jours, comme dit Danny, dans toutes les régions de la France, sud, nord, sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest, la côte, la montagne, la ferme, la grange, le ruisseau, la rivière, le froid, la neige. En bas, à côté de Pierre-Jean-Jacques, Danny, il y a des présentations partout, OK? Les gilets bleuets participent. Les gilets euh, fluores fluorescents participent. Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Uber, les résidents. Right? Les immigrants, les haïtiens, okay? les gars de Carrefour, de Marseille, right? les gens qui mangent du kebab, les Marocains, tout le monde fait des présentations. Les quoi Les EHPAD, je ne connais pas ces gens-là. On les rentre dans le truc, OK Les gens qui veulent quitter la France, peu importe. Je veux voir tout le monde. Dany, il y a des présentations partout, OK Partout, 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 partout où il y a le soleil et qu'on voit la lune, peu importe où ils sont, OK? Même ceux qui ont des vaches, des moutons, des chèvres comme chez Lily, eux aussi, on doit avoir des présentations proches de chez eux. Ils méritent et elles méritent d'avoir des présentations proches. All right? Alors, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on voit ça à toutes les semaines, partout, 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 partout. Alors, même si vous n'êtes pas dans les mêmes branches, présentez-vous, soyez là, ayez des prospects et il va y avoir quelqu'un sur place qui va présenter. Right? Il y a quelqu'un sur place qui va présenter. Ça, ça, c'est mon rêve. Donc, aidez-moi, aidez Lise, Lily, aidez vous-même, aidez toute l'équipe à atteindre cet objectif. On commence. On commence. Et après, Laurence, j'ai vu, vu dans le chat, on va avoir notre preuve de réussite. On va dupliquer. À Martinique, en Guadeloupe, right? dans les Dom dans les îles, à Tahiti, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. On va dupliquer partout, partout, partout. Et je ne peux pas oublier le Québec, le Canada, <laughs> les États-Unis, tous les pays du monde, les amis. On va trouver quelqu'un qui parle bilingue. On va trouver quelqu'un. Et yes, l'Afrique. L'Afrique s'en vient, les amis. On va chercher en Afrique aussi. Mais il faut qu'on commence quelque part, right? faut qu'on commence quelque part. Donc, sur ça, encore une fois, merci Lise, merci Lily. Merci à vous tous. J'en peux plus. Ah oui, les Belges, les Belges. Il faut qu'on fasse quelque truc en Belge. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la Belgique en ce moment, -là, mais ils veulent être reconnus. Hein? Les Belges, les Belges, l'Italie, les Suisses, tous les pays autour. Portugal, on prend tout, les amis. On prend tout. Merci, merci pour être connectés ce soir. On se voit le mois prochain. Je vous reviens avec la date, l'affiche, le lien du Zoom et la salle du Zoom. On se voit le 16, le 16 à 21h, sur le Zoom de Leadership. Là-dessus, je vous dis basse